Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter mon nouveau lit, ma dernière acquisition, Magenica Beauty by Christina McAllister. Donc, je tenais à vous présenter ce lit parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour ces portraits assez féeriques. Donc, je vais vous présenter le livre. Il y a dedans à peu près une vingtaine de portraits. Donc, c'est livre format A4, souple. Donc, papier de très bonne qualité. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est des petits conseils qui vous mettent à l'intérieur pour les ombrages. Donc, je trouve ça assez sympathique en soi. Donc vous avez toujours un coloriage sur une page et le recto, vous avez une sorte de mandala. Je ne pense pas que je les ferai. C'est surtout la partie portrait qui m'intéresse. Donc papier, pour l'instant je l'ai utilisé avec les crayons polychromos. Et les stylos gel, pas de soucis, ça n'a pas débordé sur l'autre page. Ça glisse assez raisonnablement. Le papier est un tout petit peu granuleux, mais ça ne gêne rien la réalisation des dessins. Donc vous avez donc une vingtaine de portraits, tous aussi magnifiques les uns que les autres. Donc voici quelques réalisations que j'ai faites récemment. Je pense que j'en fais à peu près un tous les deux jours. Notamment, j'apprécie ce livre. Donc même, vous voyez, comme je vous ai dit, chaque côté, vous avez le mandala un peu tiré du dessin. Vous voyez, c'est vraiment des dessins très, très, très jolis. Enchantresse. Vous avez vraiment tous les styles. Et puis, vous pouvez utiliser toutes les techniques. Là, j'ai aimé varier avec le Posca, le stylo gel et le crayon. Donc celui-là, je pense que ça sera mon prochain coloriage. Vous avez vraiment tous les styles. Celui-là est assez sympa aussi. La gorgone. Et ça reprend à peu près tous les emblèmes mythologiques. Là, vous avez les Mayas, vous avez les Indiens, vous avez... Après, même le monde féerique avec la reine des enchanteresses, notre déesse tahitienne. J'en ai réalisé quand même quelques-uns sur ce livre. Je vous ferai une autre vidéo lorsque j'aurai tout terminé pour vous présenter toutes les réalisations que j'ai pu faire dessus. Celui-là, particulièrement, je pense que c'est l'un des plus jolis du livre. Photos. Tous les dessins sont vraiment très bien détaillés, très bien finis. Voilà. Et à la fin, vous aurez un nuancier parce que vous avez beaucoup de zones d'ombre, ce sera pour tester vos couleurs pour avoir de déception. Donc, je trouve ça assez sympathique aussi, assez pratique. Pour être sûr du rendu final. Donc, voilà, donc Magical Beauties, donc l'un de mes coups de cœur. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Satopeka66, et à une prochaine vidéo. Au revoir.